Merci de nous rester fidèles sur Radioactivité 96.5. Alors nous recevons aujourd'hui Madame Noëlle Méa, maître praticienne en hypnose. Et vous mettez quelque chose à côté, pleine séance. Pleine présence. Présence. C'est le nom de l'école qui m'a formée. Ah d'accord. Madame, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, l'hypnose est un sujet complexe qui, depuis l'Antiquité, existe, mais sous une autre forme. L'hypnose, le mot vient du grec ancien, et qui veut dire « je veux », et dit « sommeil ». Mais aussi « transe ». On disait souvent « on est en transe ». Oui, c'est un état modifié de conscience. Oui. Absolument. Et la transe inoptique, que le médecin Avicenne, bien sûr, iranien, c'est maintenant l'Iran, il a eu une grande réputation, était très capable, ils étaient deux, du reste, à l'époque, certainement le plus connu et le plus célèbre. Il faudra attendre le 18e siècle, siècle où un médecin allemand, Frank Mesmer, s'oriente vers la santé. Il faut attendre tardivement, hein, parce qu'il y a eu des choses qui ont été faites bien avant ces siècles-là. Hein. Bien sûr, oui, oui. Alors, vous allez nous expliquer, madame, ce qu'est l'hypnose, qui a beaucoup évolué. C'est surtout, enfin, moi, je suis un peu paumée, hein, vraiment, avec l'hypnose, avec tout, parce qu'il y a eu une déferlante quand même. Hein. Oui, tout à fait. Et donc, au 20e et au 21e siècle. Oui. Alors, pour que nous puissions bavarder quelques minutes, eh bien, on va écouter Shimon Valdi. Ah, je viens. Super. Du sud. Puis et l'eau.
les horloges de ma vie. Un sentier dans la montagne quand j'aurai besoin d'eau. Un jardin dans la campagne pour mes jours de repos. Une maison toute en pierre que la mer a rongée. Au-dessus d'un cimetière où mon père est couché. Je viens du sud et par tous les chemins j'y reviens. Je viens du sud et par tous les chemins. Venez-vous du sud, madame ? Eh ben non, je suis une bonne Lorraine et j'ai plutôt des origines autrichiennes, donc pas vraiment le sud. Non, voilà. Non. Alors justement, vous allez expliquer très rapidement qui vous êtes à nos auditeurs. Eh ben oui, ben très bien. Ben écoutez, Ce que vous étiez avant et ce qui vous a décidé d'accord. à faire autre chose. D'accord. Oui, bon ben donc effectivement, je suis à la base, j'ai fait des études de psycho et puis j'ai été travailleur social et directrice d'un centre social il y a quelques années. Et après beaucoup de réflexions, d'accompagnement des différentes personnes, j'avais besoin de me recentrer sur un petit peu qui ils étaient, comment ils fonctionnaient. Et puis, en ayant aussi mon propre parcours, une acharnée du travail, j'ai fait il y a quelques années un burn-out qui m'a conduit bien bas. Et mon corps ne répondait plus à mon esprit, comme s'il y avait une dissociation entre les deux. Et j'ai cherché moi aussi à me soigner de cette hyperactivité et l'hypnose m'a beaucoup aidée. Et c'est quelque chose qu'effectivement j'ai utilisé pour moi-même, pour ma thérapie. Et d'année en année, ça, c'est devenu une passion, une envie de se former pour ses proches, pour soi. Et puis petit à petit, après la période du Covid, comme beaucoup, une remise en cause et puis une bifurcation vers ce métier d'hypnothérapeute. Parce qu'il s'agit bien d'une profession d'hypnothérapeute. Vous parliez tout à l'heure des prémices de l'hypnose. Alors bien sûr, l'hypnose, on en entend parler, les gens ont en tête les spectacles de Messner, hein, d'ailleurs qui a le même nom que le fondateur de l'hypnose dans l'Antiquité, c'est écrit pas pareil. Oui, on est bien loin des performances qu'on peut faire dans un spectacle qui n'ont pas d'autre intérêt que de faire rire la galerie et de s'amuser. C'est toujours effectivement une recherche de notre inconscient. Alors l'inconscient, c'est quoi? C'est 90% de notre cerveau. Oui, on n'en gère que 10%. L'inconscient, c'est celui-là qui vous fait faire une insomnie quand vous êtes stressé, qui vous fait vous ronger les ongles, qui vous fait manger quand vous vous ennuyez, etc., etc. Et on s'est aperçu qu'effectivement, pour traiter un certain mal de maux, maladie, même à UX, et ben si on traitait un petit peu l'âme, si on traitait un petit peu qu'est-ce qui me fait stresser, qu'est-ce qui me fait ne pas aller bien, j'arrivais à diminuer soit la douleur, soit les différentes maladies que je me crée moi-même par mon propre corps. Et c'est facile quand tu... peut-être plus parce qu'on a conscience de ce qu'on peut faire. Alors, oui. Alors c'est un vrai travail, hein. c'est un travail de thérapie. Alors on parle d'une thérapie brève, hein, comparé à un suivi psychologique qui peut durer des années. En hypnose, on va aller chercher au plus profond de nous-mêmes. Qu'est-ce qui fait qu'on a adopté un certain nombre de mécanismes pour se protéger en général, hein. Et
du coup, ça nous permet de mettre en avant tout de suite nos dysfonctionnements, nos habitudes, ce qui nous permet de procéder au changement. Vous savez, les changements, on n'aime pas. Dans la vie, il faut changer des habitudes, on n'aime pas. On est réfractaire au changement. Alors, vous effectivement, on n'aime pas les changements. Bah, oui. Mais c'est par paresse, par facilité. Qu'est-ce qui fait qu'on refuse ça? Alors, il y a des fidélités inconscientes, il y a des habitudes. Vous savez, je vais vous donner l'exemple. Si on parle de la nourriture, par exemple, quand on va rechercher en hypnose, pourquoi quand je suis stressée, je mange? Pourquoi quand je suis pas bien, je mange? Pourquoi quand je m'ennuie, je mange? On peut aller rechercher très loin. Et quand on va chercher très très loin, je vais vous expliquer un petit peu le déroulement tout à l'heure d'une séance, mais quand les gens vont chercher au plus profond d'eux-mêmes, où ça a commencé, souvent c'est dans l'éducation. Quand j'étais pas bien, j'étais bébé, je pleurais, et ma maman me prenait dans les bras et me donnait un biberon. Et quand j'étais triste, papy et mamie me donnaient des gâteaux. Et nous qui sommes lorrains, on a même le Saint-Nicolas qui nous a dit un certain nombre de messages. T'es sage. Mais alors, finalement, je ne veux pas être indiscrète, mais ça remonte très loin chez vous. Oui, 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 oui. Il y a pour la plupart des mécanismes qu'on a mis en place, on les a mis, il y a belle lurette. Ouais. C'est des fonctionnements ou de l'éducation. Alors parfois, quand on va traiter une phobie, par exemple une phobie de la voiture, ça peut être lié à un accident. Donc il peut avoir eu lieu il y a quelques années, mais il a pu avoir lieu il y a 2 mois. Quand on traite un deuil, c'est parfois des choses récentes. Mais parfois, c'est des choses qu'on a mis en place depuis très très longtemps. J'aimerais savoir, vous avez été, bon, vous avez subi des stages, vous êtes allé voir, parce que finalement, il faut quand même avoir contact avec quelqu'un, non? Alors, on ne devient pas hypnothérapeute, en fait, par hasard. Je crois que c'est comme quand on fait une psychanalyse, on fait son propre chemin aussi et on est convaincu par le bienfait de cette prise de conscience, de ce travail de développement personnel. Alors bien sûr, on est imprégné par tout ce qu'on a appris sur nous, hein, sur nos fonctionnements. Comment on arrive à l'hypnose? Ben, je crois que j'ai eu la même croyance que beaucoup de gens qui viennent me voir finalement. Ah mais l'hypnose c'est super! Comme j'arrive pas à lâcher prise, c'est génial. L'hypnose, quand je vais être endormie, on va tout faire mon travail à ma place. Belle illusion. C'est pas tout à fait ça, mais bon. Et alors, finalement, vous êtes formée toute seule? Non, non, pas du tout. Il y a différentes écoles, il y a différents courants. L'hypnose thérapeutique est plus régie, on parle d'hypnose ericksonienne. Erikson, c'est un psychanalyste. On va dire des temps modernes par rapport aux prémices de l'hypnose où on a commencé à travailler en psychiatrie avec l'hypnose. Ça date de Freud. Hein. À l'époque, on mettait des électrodes dans le cerveau pour voir vraiment s'il y avait des choses qui se passaient. Après, Erikson a fait des travaux plus affinés et a expérimenté ça lors de la thérapie et a montré comment on pouvait, avec des suggestions simples mais efficaces, permettre de changer un comportement de quelqu'un. Hein. Avec une prise de conscience. Donc la pensée magique de l'hypnose va faire le travail à ma place, c'est pas tout à fait ça. Mais vaut-il être accompagné plutôt dans ce quand on est dans un état, parce que c'est très difficile d'aller voir des médecins qui vont vous dévoiler. Alors on y va tout seul? On y va accompagner, comment on fait? Alors, les gens qui prennent contact avec moi ont eu un parcours, ont eu un certain nombre de mal-être. Et puis, parfois, ils ont déjà été accompagnés par des psychologues, etc. Mais des fois, ils viennent souvent par une porte d'entrée qui n'est pas forcément celle-là qu'il faut travailler, mais peu importe. L'important, c'est de travailler à partir de la porte d'entrée. La personne qui vient pour arrêter le tabac, elle vient arrêter le tabac. Peut-être qu'après, on s'apercevra que c'est le deuil de sa mère qu'elle a pas fait et que son stress est là, mais peu importe, sa porte d'entrée et son envie. Et ça, c'est important, c'est ça qui est moteur, c'est j'ai envie d'arrêter le tabac. Alors, pour différentes raisons, hein, pour des problèmes de santé, un déclic au niveau santé, au niveau budgétaire, de plus en plus, hein, parce que la cigarette, ça coûte cher.
Voilà. Mais on prend la porte d'entrée de la personne. Voilà, j'ai des problèmes de sommeil et je viens vous voir pour des problèmes de sommeil. C'est différent que quand on fait une démarche, vous voyez, chez un psychologue. Chez le psychologue, c'est je ne suis pas bien dans ma tête, je ne vais pas bien, je ne me sens pas bien. Là, je vais au départ parce que j'ai un problème de sommeil. Et je vois bien que mon problème de sommeil me gâche la vie. Et à travers ça, on va pouvoir remonter les ficelles un petit peu pour voir un petit peu d'où vient ce problème de sommeil. Est-ce qu'il y a des ressemblances avec des psychiatres ? Oui, tout à fait. Oui, oui. Alors, après, les psychologues et les psychiatres utilisent des techniques d'hypnose, hein, voilà, qui ne s'appellent pas comme ça. Oui, bien évidemment, oui. Et moi, je pense que j'aurais pas fait d'études de psychologie, je ne serais pas hypnothérapeute. Ça, voilà, c'est un global. Alors, parce que vous, finalement, moi, dans le petit... On appelle ça comment ? Le flyer que je vous ai laissé, oui, le flyer. Donc, c'est ce que vous traitez en particulier ? Alors, j'ai mis quelques mots-clés parce que les gens, quand c'est trop long, on boycotte. D'ailleurs, je vous fais une petite parenthèse. Je vous fais une petite parenthèse là-dessus. Vous savez, dans la vie, on retient 30% de ce qu'on nous dit. Alors, vous imaginez, sur un flyer, etc., il faut être concis. D'ailleurs, le marketing et les politiques utilisent beaucoup l'hypnose parce que il faut que ça soit des messages directs. Alors bon, oui, effectivement, mon flyer est à base de mots-clés pour que les gens comprennent bien ce qu'on peut traiter. Mais il y a plein les d'autres phobies, choses. Finalement. Oui, toutes les phobies, tout à fait. Il y en a plein. Alors, quelle définition vous donnez aux phobies ? Alors, une phobie, c'est une peur. Un tout fou ? Comment ? Tout fou ? Tout fou. Une phobie, c'est une peur qui a été exagérée par notre cerveau. Par exemple, aujourd'hui, en France, hein, on n'est pas en Afrique, si vous montez sur la table quand il y a une araignée, à moins que vous ayez des voisins qui ont des mygales et qui les sortent de temps en temps, il n'y a pas besoin d'avoir peur à ce point-là. C'est pas beau, c'est laid, enfin tout ce qu'on veut, mais voilà. Alors cette phobie, c'est un stimulus au niveau de notre cerveau qui a compris que c'est une peur qui est dangereuse. C'est un danger de mort. Alors pourquoi c'est un danger de mort, la phobie, par exemple, pour les araignées, souvent, c'est sa propre mère qui a eu très peur, qui a crié quand on était enfant. Donc, on nous a donné un signal en disant, mais ça, c'est très dangereux, c'est très dangereux. On va retrouver ça sur des phobies traumatiques aussi, suite à un accident, etc. Donc là, on comprend mieux le système. Mais par exemple, quelqu'un qui a le vertige, c'est une phobie aussi, la phobie du vide. Il y a beaucoup de gens qui viennent pour le vertige. Vous savez, notre cerveau, il est extrêmement bien fait. Et on n'a pas fini de le découvrir. En fait, quelqu'un qui a le vertige, non, dans le cerveau de quelqu'un qui n'a pas le vertige, vous êtes au bord d'une falaise, vous voyez un précipice, vous dites, bon, ok, je suis au bord d'une falaise, c'est dangereux, soit je me recule, ou soit je fais attention de ne pas tomber parce que j'ai pas de parachute, je ne vais pas sauter, je ne suis pas complètement débile. Excusez-moi de l'expression. Eh bien, dans la tête de quelqu'un qui a peur du vide, il n'y a pas ce petit curseur dans le cerveau qui dit « Mais je ne suis pas complètement débile, je ne vais pas sauter. » Alors du coup, c'est directement « Il y a un précipice et je vais tomber. » Donc, danger de mort. C'est ça, la phobie. Danger de mort. Alors, c'est pas verbalisé comme ça, mais j'ai envie, voilà. Comment peut-on avoir confiance en soi, parce que ça remonte plus loin, ça reçoit un échec, quelque chose, pour tout retrouver. Alors, la confiance en soi, c'est très très large. Elle est mise à rude épreuve tous les jours, à votre travail, dans votre cellule familiale. On est impacté par ça sans arrêt. Alors évidemment, si on a une structure où on a eu une éducation, une famille entourante qui savait regarder vos qualités, qui savait dédramatiser, et ben vous avez une confiance en soi qui peut être stabilisée. Et puis il y a des événements de la vie. Il y a des événements de la vie. Vous avez perdu un travail, on vous a licencié, vous êtes pris quelque chose dans la figure, un conflit avec quelqu'un, et là tout peut être mis en cause. Tout peut être réellement remis en cause. Oui, parce que finalement, on n'a plus de résistance.
Alors voilà, donc les gens qui sombrent vraiment, qu'on une estime de soi ras des pâquerettes, il s'est passé un tas de choses qui fait qu'effectivement on leur a fait croire qu'ils étaient nuls, pour être clairement, et comme je dis aux enfants, puisque je vous dirai tout à l'heure, mais je fais de l'hypnose pour les enfants, vous voyez, dans l'éducation, il n'y a pas que les parents, il y a aussi les instits. Moi, j'ai eu, par exemple, des instits qui m'ont dit « Noël, t'es gauchère, donc t'as un handicap, donc t'es pas comme les autres. » Et moi, je l'ai vécu pendant des années, de ne pas être... Ben oui, ça vous fait rire aujourd'hui, mais je vous assure que j'ai reçu des coups de règle sur le doigt parce que je n'étais pas comme tout le monde. Si on vous dit « Vous n'êtes pas comme tout le monde, vous n'êtes pas dans les normes, vous ne rentrez pas dans les cases », eh bien, ça suffit pour détruire une certaine confiance en soi. Un traitement, vous le cadrez en 6 mois, comment vous faites? Donc, c'est... qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, moi, je ne comprends plus rien. Donc, vous faites séance après séance, mais à quel moment vous pouvez dire, bon, ben, il nous reste 2 séances, une séance où il faut allonger? Alors, j'explique toujours, un bon hypnothérapeute peut vous dire pas le nombre de séances qu'il faut. C'est de la thérapie brève. On se dit souvent qu'avec 3 séances, on a déjà bien avancé sur un sujet. Hein. Mais comme parfois, en travaillant quelque chose, ça nous amène autre chose, on ne peut pas dire qu'on en a... Voilà. Parfois, il y a des gens, en une séance, ils arrivent à regagner de la confiance en eux, ils arrivent à arrêter de fumer, ils arrivent à plus avoir la phobie de choses. Et puis, parfois, ça amène autre chose, il faut conforter, en tout cas. Donc souvent, moi, je dis 2-3 séances parce que les gens ont besoin de repères. Et puis, de plus en plus, avec la crise, les gens ont besoin de savoir aussi combien ça va leur coûter. Hein, c'est normal. Donc moi, je dis toujours entre 1 et 3 pour le début. Mais en réalité, voilà, parfois, en fait, on est 3 dans la séance d'hypnose. C'est ça qui est compliqué. C'est qu'il y a la personne que je reçois, moi, et puis il y a l'inconscient. On ne sait pas trop ce qu'il va nous dire, notre inconscient. Hein, peut-être qu'il va nous parler d'autre chose. Hein, et c'est là qu'on a des surprises. Oui. Absolument. Vous raconterez quand il y aura une pause, parce que vous parlez des gauchers. Oui. Oui, ça a été là, le 19e et le début du 20e siècle, un scandale. Oui, bah oui. Bon, parce que mon fils, ma fille, mon petit-fils, ils sont tous gauchers. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Bon, on stoppe, on en dit pas. Je vous volontiers propose Pétula Clark. Argentine. Me voici devant ce grand pays, c'est le mien, j'y reviens pour toujours, jamais plus, je le jure, quelle que soit ma vie, et ces orages, je ne pourrai vivre loin de chez moi, de mes amis et de mon toit. C'est ici qu'on m'enterrera. On est toujours dans son temps. Quand on s'en va, quand on laisse la place au malheur, on ne peut plus répondre à tous les ennemis qui vous condamnent. Et l'océan se referme sur vous. Pourtant, je suis encore debout et je me battrai jusqu'au bout. Je suis à toi, Argentine. Ne crois pas que je t'ai quitté. Pas un seul instant, je n'ai cessé de penser à toi. Et de te pleurer. Je m'appelle toujours Evita et je n'ai pas changé dans mon cœur. Je reviens au secours de tous les pauvres gens qu'on abandonne et par-dessus le brouillard. Avec la liberté, voilà la seule.
de penser à toi et de te pleurer. Si tu veux bien, on va lutter comme autrefois. On va gagner. Si tu veux oublier les ombres du passé, on peut encore s'aimer. Avec le recul que vous avez, vous pouvez maintenant juger. Il y a peut-être des domaines qui sont plus faciles à réparer que d'autres. Je ne sais pas. Question alors là. Alors, je pense que les hypnos... Il y a des gens qui sont plus fragiles que d'autres. Oui, alors il y a des gens qui sont plus fragiles que d'autres. Peut-être que le prémisse pour faire de l'hypnose, c'est accepter finalement d'accepter de travailler un peu sur soi. Par exemple, les gens qui me disent, mais Noël, je veux pas. Je veux rien. Je dois parler plus fort. Par exemple, les gens qui me disent, mais Noël, je veux pas savoir comment vous faites. Je leur explique toujours comment se déroule une séance d'hypnose. Ils me disent, mais je veux pas savoir. En fait, je veux que vous me guérissiez, vous m'enleviez, vous me fassiez oublier mon ex, par exemple. Voilà. Allez-y. Avec cet exemple-là, par exemple, voyez. Ben oui, mais vous voyez, votre ancien mari, votre... Eh ben, peut-être que ça vous donne des leçons sur ce que vous voulez plus faire dans une prochaine relation. Et effectivement, l'oublier, cet état d'amnésie, c'est pas ça qui va vous rendre service. Par contre, vous aider à surmonter ça, oui, l'hypnose peut le faire. Hein. Est-ce que le fait d'être pas bien dans sa peau, oui, ça a un impact sur notre vie, vraiment. Mais est-ce que ça a un aspect destructeur? Oui, tout à fait. Alors en fait, maintenant, on sait très bien, beaucoup de professionnels de santé m'envoient des gens en hypnose parce qu'on sait très bien que le mental va jouer un rôle sur la maladie. Hein, alors il y a la maladie du siècle qui est le stress, hein. Le burn-out, l'épuisement, voilà. Mais on sait très bien qu'il y a un tas de choses, il y a un tas de choses qu'on programme dans notre corps. Vous savez, moi, ça m'a toujours, en tant qu'éducatrice spécialisée, choquée de voir comment on pouvait se programmer des maladies. Vous savez, la maman qui a un enfant qui a un cancer, qui est à l'hôpital et qui dit pendant des jours, des mois, des années, j'aurais tellement voulu que ça soit moi plutôt que lui. Mmh. Et bien ça, et ben quelques années plus tard, cette maman, elle développe le même cancer. La moyenne d'une séance, c'est combien? Parce que... La moyenne en temps? Bah, un médecin, c'est un quart d'heure. Donc... Ah Alors, comment je fonctionne déjà on dira tout à l'heure hein, comment me contacter. Il y a un premier contact téléphonique pour que je puisse faire connaissance avec la personne et puis que je puisse m'assurer que je puisse répondre à sa demande en fonction de ce qu'elle vient de chercher. Et puis, je lui explique comment ça se passe. Alors, comment ça se passe? C'est une bonne heure. La séance en elle-même, elle dure une bonne heure. Elle se déroule en deux parties. Une première partie où j'utilise des métaphores. Alors c'est Erickson hein, qui a trouvé ça. Effectivement, vous savez, les primates, les humains, on fonctionne par miroir. Vous voyez, vous ouvrez un magazine et vous trouvez la pommade qui va vous enlever toutes les rides. Votre cerveau primate. Alors, au passage, votre cerveau primate, il a 4-5 ans. Hein. Mais c'est un petit peu parce que je ne sais pas si on a des liens très proche avec les primates, mais finalement, c'est
ce sont des animaux qui nous ressemblent beaucoup. Oui, tout à fait. Et donc, qu'on reproduit c'est aussi ça. Dans les... Bon, les parents sont le miroir pour les enfants. C'est ça. Alors, on est toujours en position miroir. Alors, quand on parle effectivement de cet effet miroir chez les primates, parce qu'eux, ils sont moins formatés que nous sur le regard des autres et tout ça, donc ils se laissent aller complètement. Donc, c'est pour en finir à mon histoire, vous voyez la pilule magique pour vous retirer les rides ou la crème. Votre cerveau primate va dans un premier temps y croire et dire « Oh, si je le prends, ça y est, je vais te rajeunir de 10 ans. » Et puis après, il y a l'intellectuel qui arrive. « Oh bah oui, mais si ça existait vraiment, on en aurait entendu parler, les médecins nous en auraient parlé. Et puis peut-être même que c'est dangereux, etc. etc. » Donc voilà. Mais la première chose, c'est qu'on va s'identifier. Donc c'est pour ça que les métaphores, les histoires métaphoriques que je raconte dans la première demi-heure autour de la problématique de la personne, ça permet une identification. Vous voyez que si je vous raconte l'histoire du vilain petit canard, qui avait un problème de place dans sa famille, qui était rejeté, qui n'avait pas été désiré. Si ce n'est pas votre histoire, il y a des chances qu'après la séance d'hypnose, vous vous en veniez aussi plus de cette histoire, parce qu'il y en a eu plein. Et puis je vous disais tout à l'heure, on retient que 30%. Vous voyez, moi, vous étiez prof d'histoire, moi, l'histoire, je retenais jamais, parce que ça ne m'intéressait pas. Par contre, dès que je pouvais traduire une leçon de cours en chanson, bah, j'adorais chanter, donc ça marchait. On sélectionne. Donc tout ça pour vous dire, j'ai perdu un petit peu le fil de ce que je voulais vous dire, j'ai fait une parenthèse. Moi je voudrais qu'on revienne parce que finalement vous faites quelque chose d'Ericsson. Oui. Alors qui était-il ? Alors Ericsson c'est un psychanalyste qui a essayé un petit peu de revoir le fonctionnement du cerveau. Donc je vous disais tout à l'heure que Freud avait déjà travaillé d'une autre manière, avec des appareils, des électrodes, etc., pour voir le fonctionnement. Donc, dans ce que je vous disais tout à l'heure, et ça me permet de retrouver le fil de mon idée, dans les métaphores, et quand on raconte des histoires métaphoriques aux gens, dans cet effet miroir, si je me reconnais dans le héros de cette histoire, et c'est comme ça que sont faits les contes pour enfants, hein, si je me reconnais dans le héros de cette histoire, j'aurais envie qu'une chose. C'est de me dire comment il a trouvé la solution à son problème. Alors bon, on est loin de « ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants » comme dirent les anciens contes, mais en tout cas, notre cerveau il va se dire bah, « si lui il a trouvé une solution, moi aussi je devrais pouvoir en trouver une ». Parce que moi j'imaginais pas qu'on pouvait par rapport à bon, vous, et je sais pas, à votre tante, ou, à, finalement l'un et l'autre se ressemblent. Parce que quand vous avez des famille ou des choses comme ça, il y a beaucoup quand même de choses. Là, on parle de burn-out, tout ce que oui. Vous voulez. Donc, est-ce qu'on peut, parce que on parle du cerveau, mais ce cerveau, à un moment, il a des limites. Alors, on a un groupement de thérapeutes et on écrit des métaphores. Donc, un groupement de thérapeutes, il y a aussi des psychologues. On peut savoir de quel type Comment? Ben, en fait, dans l'école que j'ai fait, effectivement, l'hypnose pleine présence, on a un groupement de thérapeutes et on écrit des métaphores qu'on met en commun. On réfléchit sur chacune des thématiques. Vous voyez, c'est quelqu'un qui fait un burn-out. Et ben, dans son enfance, c'est souvent quelqu'un qui lui a dit... Alors, est-ce que c'est sur quelqu'un d'épuisé de... Alors, quelqu'un qui a fait un burn-out, qui est en épuisement professionnel, hein, le mot un peu plus français... c'est souvent quelqu'un qui a été éduqué dans en faire des tonnes. Pour arriver à quelque chose, il faut que t'en baves. Dans l'éducation, hein, c'était très fort. Hein. T'arriveras à rien sans rien si t'y mets pas. Donc dès le plus jeune âge, ils ont eu cette croyance limitante que pour arriver à quelque chose, pour être reconnu, pour être aimé de ses pairs, de son employeur, etc., il fallait en faire des caisses. Alors quand je vais raconter une métaphore autour de quelqu'un qui en faisait des caisses et qui s'est perdu, ben les gens ils vont se reconnaître. On n'est pas gay aujourd'hui, hein ? Oh ! Bien. Alors, la séance, elle n'a pas de durée finalement. Alors, c'est une heure. Si. La séance, c'est à peu près une heure, parce qu'après, on décroche. Donc, une demi-heure de métaphore et une demi-heure de dialogue avec votre inconscient
où mon travail de thérapeute, c'est d'aller aider la personne à aller chercher au plus profond d'elle-même le pourquoi de son mal-être. Alors, comment on fait pour aller... Alors, tous les thérapeutes ont chacun leur technique. Moi, la technique que j'utilise, je propose de manière imagée que les gens descendent dans la bibliothèque des livres de leur vie et aillent chercher à travers tous ces livres, des livres qui parlent de leur enfance, de leur adolescence, le lien avec leurs problèmes. Si on reprend le burn-out, qu'est-ce qui fait qu'il fallait que j'en fasse des caisses? Est-ce qu'il y a des histoires dans ma vie où il a fallu que j'en fasse des caisses? Alors là, on retrouve l'école, souvent, hein, ou l'éducation. Et on comprend petit à petit ben, pourquoi on était un sujet bien prédisposé pour faire un burn-out. Vous savez, les burn-out, ce n'est pas les gens qui font rien, c'est les gens qui en font plein. C'est la maladie des bons élèves, ceux qui bossent. Oui. Non. Si, si, je vous assure. Je ne sais pas comment vous répondre. Ah. Mais je ne les ai pas oubliés. Oui. Certainement pas. Alors, l'hypnose, ça dure parce que c'est pas palpable. Donc, on est en période d'hypnose pendant combien de temps? Alors, la séance dure une heure. Quand je vous disais après le temps, c'est que parfois, et même souvent, les gens ont besoin de discuter après la séance d'hypnose sur ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont fait ressortir même. Donc moi, je laisse complètement libre, les gens en parlent ou n'en parlent pas. En tout cas, ils repartent avec ça. Une séance d'hypnose, c'est comme une tisane. Ça va infuser encore 15 jours, 3 semaines. C'est pour ça qu'une séance d'hypnose, c'est pas quelque chose qu'on fait toutes les semaines. L'écart entre deux séances est 3 semaines, un mois. Pourquoi on dit 3 semaines? Parce que on parle de 3 semaines, de 21 jours pour changer une habitude. On dit pareil aux fumeurs, pour changer court. Une habitude. Non, c'est pas trop court. Non. Parce c'est que court. Les habitudes, quand elles sont alors, prises... Oui, bien sûr. Je vous dis pas qu'au bout de 3 semaines, tous les gens arrêtent de fumer ou ne sont plus stressés. Mais c'est-à-dire que s'ils mettent en place des nouveaux fonctionnements, ce fameux changement, il faut laisser le temps à notre corps de le faire, ce changement. Donc, c'est pas la peine d'aller lui remettre une autre séance d'hypnose et encore intellectualiser quelque chose, etc. Il faut le laisser le temps de prendre ses marques. Ah ben donc, ça, c'est clair. Voilà. Donc, non, mais c'est clair dans le sens, c'est l'évidence. Oui, mais les gens, ils oublient ça, hein, effectivement. Derrière une habitude, il y a un tas de choses qu'on a mis en place. Le fumeur... Derrière sa cigarette, il a mis en place un tas de choses. Il va sortir le chien, il prend son café, ça lui donne une légitimité pour faire une pause au travail. C'est super la cigarette, quand vous n'êtes pas fumeur, vous n'avez pas le droit de traîner dans les couloirs. Par contre, vous avez le droit d'aller fumer, personne ne vous dira rien, normalement. On a tout fait à l'envers, vous voulez dire? C'est-à-dire qu'il y a des codes sociaux, et aller fumer, faire une pause pour sortir dehors pour aller fumer, puisqu'on n'a plus le droit de fumer à l'intérieur. C'est rentré dans notre éducation, on a le droit de faire une pause et de sortir dehors. Moi qui n'étais pas fumeuse, parfois je me disais, moi si je traîne dans les couloirs 5 minutes, on va me dire, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne fait rien. Par contre, Vous n'aurez pas ma réponse tout à l'heure. Dites-moi. Non. Bon, on en parlera pendant la pause alors. Bien. Là, je voudrais qu'on écoute Daniel Guichard. Pourquoi? Parce que cette chanson, c'est un hymne au papa. Il y a eu la fête. Oui. Elle est extraordinaire, mon vieux. Ah. Vous la connaissez? Oui, bien sûr. Et puis d'ailleurs, je vous fais juste une petite parenthèse avant. Vous savez qu'en écoute de la musique, on est en état d'hypnose. Tout à l'heure, je vous regardais et vous étiez en état d'hypnose avec une chanson que vous aimez bien. Tout à l'heure, quand on écoutait la musique, vous étiez en état d'hypnose. Alors, vous ne m'avez pas vu parce que je vous l'ai dit, mais vous ne m'avez pas entendu. Par-dessus râpé, voilà. Il s'en allait l'hiver, l'été, dans le petit matin frileux, mon vieux. Il n'y avait qu'un dimanche par semaine, les autres jours, c'était la graine qu'il allait gagner comme on peut, mon vieux. L'été, on allait voir la mer. Tu vois, c'était pas la misère. C'était pas non plus le paradis.
Eh ouais, tant pis. Dans son vieux par-dessus râpé, il a pris pendant des années le même autobus de banlieue. Vieux. Le soir, en rentrant du boulot, il s'asseyait sans dire un mot. Il était du genre silencieux. Mon vieux. Les dimanches étaient monotones. On ne recevait jamais personne. Ça ne le rendait pas malheureux. Je crois, mon vieux. Dans son vieux par-dessus râpé, les jours de paye, quand il rentrait, on l'entendait gueuler un peu. Mon vieux, nous, on connaissait la chanson, tout y passait, bourgeois, patron, la gauche, la droite, même le bon vieux, avec mon vieux. Chez nous, il n'y avait pas la télé, c'est dehors que j'allais chercher pendant quelques heures l'évasion. Je sais, c'est con, dire que j'ai passé des années à côté de lui sans le regarder. On a à peine ouvert les yeux, nous deux. J'aurais pu, c'était pas malin, faire avec lui un bout de chemin, ça l'aurait peut-être rendu heureux, mon vieux. Mais quand on a juste 15 ans, on n'a pas le cœur assez grand pour y loger toutes ces choses-là. Tu vois, maintenant qu'il est loin d'ici, en pensant à tout ça, je me dis, j'aimerais bien qu'il soit près de moi. Papa. Finalement, les séances. Alors, en ce moment, vous avez beaucoup de séances ? Oui, alors effectivement, en fonction des moments de l'année, c'est marrant, on a des problématiques qui arrivent plus souvent. Bon, en ce moment, j'ai beaucoup d'ados, hein, par rapport, enfin, ça va finir, hein, par rapport aux examens, hein, aussi bien au niveau des études, au niveau du permis de conduire, des petits blocages qui pourraient, enfin, en tout cas, qui peuvent accompagner les ados. L'hiver, j'ai effectivement plus de gens qui sont moroses, qui sont tristes, qui manquent de confiance en eux, qui sont stressés. Et puis, voilà, il y a des choses qui sont là toute l'année, hein, malheureusement, des deuils, des phobies, c'est pas, il n'y a pas forcément de période. Alors, vous avez des outils à côté. Qu'est-ce que vous proposez ? Des bouquins, des visites ? Alors, en fait, moi, je ne sais pas, hein, parce que oui. Effectivement, dans tout ce que j'ai lu, oui. Bon, vous, manifestement, vous faites confiance à ceci, à cela. Alors déjà, en dehors de ce que vous dites. Déjà, je fais confiance. Parce que parfois, il faut aussi, enfin, je ne sais pas, vous allez me dire si je dis, il faut diriger. Alors voilà, ouais, c'est ça. En fait, c'est accompagner plutôt. Ce n'est pas diriger, c'est accompagner. Moi, quelque chose qui m'a toujours porté depuis mon adolescence et dans mon besoin d'aider les autres, c'était de les accompagner et de croire en eux. Moi d'abord, en tant que thérapeute, je crois en leur capacité de guérison. Je crois qu'ils sont capables de vaincre leur stress, je crois qu'ils sont capables de sortir de leur burn-out, je crois qu'ils sont capables d'arrêter une addiction. Vous savez, quand on ne croit pas, quand on ne croit pas aux enfants, on est un adulte. Un petit peu bancal. On a besoin d'avoir des gens qui croient en nos capacités. Donc cette croyance que l'homme accompagné, il peut faire beaucoup, il peut se surpasser, je crois qu'on fait moins des atouts, et puis ce qui est apprécié dans l'accompagnement. Oui, c'est un accompagnement.
c'est un accompagnement parce que au-delà de la séance, moi, ça me donne un travail de réflexion, de comment je peux aider, comment je peux guider la personne. Vous savez, la première séance, les gens, ils viennent pour une problématique. Moi, j'en vois plein d'autres. Mais ils ne sont pas forcément prêts à l'entendre. Il y a des fois, je peux dire des choses. Mais oui. Donc, il faut que je distille tout doucement. Tout doucement et leur permettre de comprendre qu'effectivement, leur problème n'est peut-être pas celui qu'ils m'ont annoncé au départ. Alors, parfois, c'est assez magique dans les séances d'hypnose. En allant découvrir ces livres de leur vie, ils le comprennent et c'est ça qui est un petit peu le côté magique. Mais parfois, il faut plusieurs séances. Et puis parfois, contrairement à ce qu'on croit en hypnose, on nous fait aller n'importe où, c'est un peu la croyance comme ça, mais pas du tout. Pas du tout. Si je vous fais aller sur un sujet dont vous n'avez pas envie, votre inconscient va dire stop. Il ne va pas ouvrir le livre. Il ne va pas ouvrir un livre qu'il n'est pas prêt d'aller lire. Donc là, pour le coup, il faut du temps. Bien, on va récapituler un peu tout ce qui concerne les durées. Après, là, finalement, vous n'avez pas de durée sur... Alors, moi, je ne sais pas, vous voulez peut-être rajouter quelque Alors, chose Alors, aussi, oui, je vais quand même rajouter. Alors, il faut quand même qu'on ait un repère. Oui, une séance, la séance proprement dite, dure une heure. Une demi-heure où je raconte des métaphores, une demi-heure où c'est une partie plus active avec une interrogation de son inconscient. C'est un peu différent chez les enfants, parce que je fais de l'hypnose pour enfants aussi. L'hypnose pour enfants, c'est très très différent de l'hypnose pour adultes. L'hypnose pour adultes, vous êtes dans un fauteuil avec de la musique, avec le même casque que j'ai là, comme à la radio. Alors, la musique. Oui. Classique. Oui, alors après... Le violon, qu'est-ce voilà, que vous c'est de la comme... musique calme, c'est de la musique calme. Vous voyez, que, j'étais en train de vous dire ça, et puis la chanson est apparue. Vous voyez, quand on écoute de la musique, on est en état d'hypnose. Tout à l'heure, vous étiez en état d'hypnose quand vous avez écouté la chanson que vous aimiez bien, et vous n'en êtes pas rendu compte. L'hypnose, c'est un état naturel, en fait. On part en hypnose pour s'évader, comme disait la chanson, là, juste oui, qu'on vient d'écouter. Oui, mais c'est surtout que je n'ai pas de talent. Vous n'avez pas ? Talent. Ouais. Et donc, finalement... J'adore la musique. Mais j'adore, oui. Mais la vraie, enfin... Mais être connecté à la musique, c'est un état hypnotique. Les états hypnotiques, on en fait plein de manière naturelle dans la journée. Quand un mari regarde un match de foot, un enfant qui va jouer un jeu à la poupée, il est en état hypnotique. Vous pouvez lui dire, on passe à table, il ne vous répond pas, vous ne comprenez pas, parce qu'visiblement, il vous a entendu. Eh bien oui, tout ça, c'est des états hypnotiques. Quand vous faites un trajet habituel pour aller au boulot, puis vous connaissez bien le trajet, hein. C'est super parce que l'inconscient il ne fait pas faire des choses dangereuses, il fait ça sur un trajet que vous connaissez bien. Vous n'êtes pas aperçu que vous êtes arrivé ou que vous avez passé tel ou tel village. En fait, votre cerveau il est en pilotage automatique. Vous connaissez le chemin, donc il a pensé à la journée qu'il fallait organiser, aux enfants qu'il fallait récupérer à la sortie de l'école. Vous étiez en hypnose. On va prendre, si vous voulez, bon là vous avez une patiente qui rentre, enfin... Comment vous allez, qu'est-ce que vous bâtissez? D'abord, vous l'interrogez, est-ce que enfin, c'est complexe et... Alors, moi j'utilise, ça c'est ma façon de faire, moi je m'appuie sur l'entretien qu'il y a eu en premier, et puis la discussion après séance, hein, quand on arrive sur une deuxième séance, pour que quand la personne elle arrive, elle ne me parle pas de trop avant le début de la séance. Parce que sinon... on intellectualise et on a plus de mal à se laisser aller. Donc ça a été fait à un autre moment, pendant le rendez-vous téléphonique, et parfois en fin de séance, les gens me disent où ils en sont, ce qu'ils ont découvert sur eux, et je reprends à partir de là. Alors bien sûr, s'il y a eu des choses pendant les 3 semaines, ils me racontent bien évidemment, mais pas souvent je dis stop, stop, on va laisser la place à votre inconscient. Donc je commence la séance, effectivement, que j'ai préparée. Chez moi, il n'y a pas une seule séance de la même Vous façon. Vous la gardez à peu près combien de temps? Une heure. Donc après, quand elle part, vous fixez un rendez-vous et quand le délai... Alors le délai, c'est, je vous dis, toujours 3 semaines à moi. Il n'y a pas de... Voilà, c'est pas parce que vous venez pas toutes les 3 semaines, voilà, c'est 3 semaines à moi. Des fois, les gens, au niveau du budget, hein, une fois par mois, ils peuvent se payer une séance d'hypnose, voilà, parce qu'ils ont soit une mutuelle qui leur rembourse ou pas. Donc, on tient compte de tout ça.
Et oui, soit on fixe le rendez-vous ensemble, soit ils le prennent sur mon site, puisque je travaille avec Therapies. C'est un logiciel un peu comme... c'est le logiciel Doctolib des thérapeutes. Hein, et ça marche pareil, vous pouvez prendre rendez-vous, le déplacer, avoir un rappel 24 heures avant, etc. Alors, pareil, vous ne pouvez pas finalement dire, bon, il y a 6, il y aura 6, 8 séances. C'est l'évolution, ça peut aller plus vite ou moins vite. Oui. Alors, en moyenne, quand même, les gens, quand ils viennent travailler quelque chose, ils font 2-3 séances. On a déjà des très très bons résultats au bout de 2-3 séances. Et puis après, les gens, ils s'aperçoivent tout seuls s'il y a besoin ou pas. Hein. Et puis s'ils ont envie de poursuivre. Et donc, on a tout dit ? J'étais en train de vous dire tout à l'heure qu'effectivement avec les enfants c'était un peu différent. Les enfants on peut pas les tenir les yeux fermés dans un fauteuil 3/4 d'heure. Qu'on peut les mettre déjà en hypnose. Oui, mais les enfants c'est très simple. En fait ils sont tout seuls en hypnose, ils s'y mettent tout seuls, ils savent faire. Plus on est grand, plus on se met des barrières. Les enfants c'est en forme de jeu. Alors moi j'interviens pas toute seule pour l'hypnose pour enfants. J'interviens avec Charlie qui est un singe de ventriloquie. Les enfants ils aiment bien dire que c'est Jeff Panaclock sans les gros mots. C'est un singe noir. Et ce qui permet un objet transitionnel entre l'enfant et l'adulte. C'est difficile pour un enfant d'aller parler de son problème de pipi au lit ou d'endormissement ou de peur de la mort, etc. Et puis la dérision avec la marionnette, ça permet. Quand l'enfant parle avec Charlie, il est déjà en état d'hypnose. Alors après, j'utilise aussi des métaphores, des histoires métaphoriques, mais j'utilise beaucoup la connexion avec la marionnette. Et les enfants sont complètement en hypnose. Ils sont très facilement en hypnose. Bien. Dites-moi tout. Vous savez, moi j'avance un peu dans le brouillard. Hein. Oui, il n'y a pas de souci. Donc, moi je voudrais quand même que vous donniez quelques renseignements. Oui. Votre numéro de téléphone. D'accord. Votre mail. Et ainsi de suite, d'accord. Qu'on puisse vous joindre chez vous. Alors, donc, le nom de l'entreprise, c'est Hypnopont. Bien sûr, je suis de Pont-à-Mousson, donc c'était un petit clin d'œil à la ville de Pont-à-Mousson. Donc, un pont entre le conscient et l'inconscient, c'est vraiment ce qu'on travaille en hypnose. Alors, vous pouvez me retrouver en particulier sur ma page Facebook Hypnopont. Vous tapez Hypnopont, soit sur Google, soit sur Facebook ou Instagram. Vous pouvez me joindre donc soit sur Messenger, soit vous voulez que je donne le numéro de téléphone à l'antenne. Votre numéro de téléphone donc c'est le 07. Oui. Oui. 07 56 91 91. Vous pouvez aussi me joindre par mail à Hypnopont donc en un seul mot 54 700 le code postal de Pont-à-Mousson @gmail.com. C'est tout ? Voilà, écoutez, oui. Oui. Donc et vous êtes sur Facebook ? Je suis sur Facebook. On peut, quoi qu'il arrive, il y a un entretien téléphonique, donc ça ne vous engage à rien. Ça ne vous coûte rien, l'entretien téléphonique, et vous pouvez dire si ça vous convient ou pas. En tout cas, l'important, c'est que quand vous raccrochiez, en tout cas, l'effet comme ça, des fois, qui peut faire peur dans l'hypnose, soit levé, quoi. Quel est le rapport le plus difficile qu'on puisse avoir avec un malade de ce genre-là ? Redites-moi. Je ne sais pas, parce que je pense que c'est pour certains, c'est plus facile l'un par rapport à l'autre. Alors, ce qu'on peut voir de manière générale, mais je ne voudrais pas que ça fasse fuir les hommes, ce que je vais dire, mais il y a plus de femmes qui viennent en hypnose, en thérapie, que d'hommes. Parce que la notion de se confier, dans une éducation, elle est différente aussi, quoi. En hypnose, souvent, il y a des émotions qui ressortent, que ce soit chez les enfants ou les adultes, des larmes. Pour les hommes, c'est encore compliqué. Les hommes, parfois, ils s'excusent. Ils me disent « Excusez-moi, Noël, j'ai pleuré. » On me demande « J'espère que j'ai pas pleuré. » Alors, les femmes sont un peu plus libérées par rapport à ça. Donc, je ne sais pas si c'est pour ça qu'on a plus de femmes, mais voilà. Mais par contre, ça leur fait un très bien. Je pense qu'effectivement, les hommes sont encore plus imprégnés parce qu'ils ont encore moins de possibilités de parler d'eux, au fond d'eux, quoi. Voilà. Voilà, c'est tout, on a tout dit. Oui. Alors, merci d'être venu. C'est très plaisant, c'est très
dilettante, on va dire, mais ça c'est aussi nous qui le faisons. Ouais. Et puis c'est clair, c'est agréable. Alors, merci. Moi, je vais souhaiter bon appétit à tout le monde, à vous, madame aussi. Merci beaucoup. Bon appétit. Et donc, bah, écoutez, merci d'être venu. Vous reviendrez nous voir quand même. Oui, bien sûr. Ah, je peux juste vous rajouter que dans ma formation, on m'a dit de ne surtout pas faire des séances d'hypnose à la radio. Pour la petite blague, parce que si vous voyez les... Je pense que c'est une catégorie différente. Non, je vais vous dire, si je viens faire une séance d'hypnose en direct et que les gens écoutent la séance d'hypnose dans leur voiture et qu'ils partent en état d'hypnose, ils pourraient avoir un accident. C'est juste par rapport à ça que je vous dis ça. Et ça, j'y avais pas forcément pensé. Non, pas du tout. Et comme on écoute beaucoup la radio en voiture, ça serait un peu dangereux. Merci à tous. Voilà. À tous. Alors, bonne soirée. Merci beaucoup. Et bon appétit à tous. Bye bye.